tires une fois sur la palette de droite. Tu es en première, c'est inscrit au tableau de bord et c'est parti. Tu mets la 2. Tu t'avances tranquillement, je vérifie qu'il n'y ait personne. Vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est parti. Troisième. La partie gauche de la piste, un filet de gaz, tu te diriges au taquet des braquages, tu freines, tu tapis, je t'indique les rapports de boîte à chaque fois, tu reprends les gaz, tu freines, filet de gaz, je t'indique les rapports, reste au quatrième ici, sois progressif sur les gaz, tu as 560 chevaux, ça se conduit pas comme une voiture. Progressif sur les gaz, c'est extrêmement sensible. Tu freines 3, un filet de gaz, tu fais une stack de braquage, tu reviens à l'intérieur sur ton corps et tu accélères. 4, tu freines, lâche le frein, filet. Moi je veux pas que tu comptes sur les gaz, je veux que tu sois progressif. T'as l'air de le dire, progressif sur les gaz. Ça sert à rien d'accélérer avant le virage, au début du virage, si c'est pour les gaz en plein milieu du virage, donc sois progressif. Les braques plus tard. À droite. Tu freines, quatrième, à ton avis, lâche le frein, serre à gauche. Tu freines, troisième, à ton avis, viens chercher l'ordre et tu reprends les gaz. Tu repars.
Allez, c'est parti. Essaye de braquer un peu plus tard, parce que là tu passes ton point de corde, mais encore les ronds braqués. Au point de corde, tu dois être en mesure de débraquer. Fais attention, l'erreur que tu as fait au début de ta série, c'est de vouloir partir trop vite sans forcément connaître la voiture, le circuit, donc au détriment de la technique. Et après, par la suite, tu mets du rythme, mais fais attention au braquage, c'est complètement au détriment de ta sortie de virage. Si tu braques trop tôt, tu ne pourras pas accélérer au bon endroit. Donc, sois patient sur ton braquage pour être au point de corde en mesure de débraquer et d'accélérer. Mais si tu braques tôt, au point de corde, tu es encore comme ça. Ouais. Et toi, tu as envie d'accélérer, tu es au point de corde. Ouais. Donc, forcément, tu sors trop tôt, trop large de ton virage. Et forcément, dans le virage, tu es obligé de couper les gaz. Okay. Donc, attends d'être à ta quille de braquage. Ta quille de braquage, elle doit être à ta roue avant. Et dès qu'elle est à ta roue avant, là, tu braques. Mais si tu braques trop tôt, derrière, tu ne pourras pas accélérer au bon endroit.